Je vous en supplie, monsieur les voleurs. C'est pas gentil. On était sur le terrain de football. On était en train de jouer avec Benzema. Hein, parce que moi, je suis fan de Benzema. Ah, et après, j'étais dans les vestiaires et on a profité pour faire une dédicace. Et puis, pouf! Et on a soulevé ma robe. Et puis, oh, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je baissais ma culotte. Et on a fait des choses qu'il fallait pas faire dans les vestiaires avec Benzema. Oh, je me suis bien amusé avec Benzema. Après, avec Ribéry. On en a profité avec Ribéry. Mais je préfère celle de Benzema parce que c'est Benzema. Elle est naturelle. Ah là 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 là. Oh, que c'est merveilleux. Oh. Mais oui, mais le problème. Mais c'est le problème. C'était une sextape. Mais la sextape, elle a été volée. Et maintenant, je suis dans la merde. Et parce que si vous vous rendez compte, hein, mon mari et mes voisins, mes voisines et mes petits-enfants, hein, ils vont dire, c'est ma mamie, elle a les jambes en l'air et tout. Rendez compte avec Benzema. Mais s'il vous plaît, messieurs les voleurs, je vous en supplie. Je vous en supplie, rendez-moi ma sextape. C'est la première sextape de ma vie. Ah oui, j'avais fait une sextape avec François Hollande. Et ah oui, il y a 15 jours, parce que j'ai été invité par Ségolène Royal. Hein, vous vous rappelez, il y avait la COP 21, et Ségolène, elle m'a dit, ma petite mamie chérie, hein, parce que je suis amie avec Ségolène, parce que c'est moi qui a élevé Ségolène. Eh oui, je l'ai élevée, elle connaissait rien la petite. Au début, et puis elle se rappelle des beaux moments qu'elle a passé avec moi dans la ferme à Poitiers, et elle m'a dit, écoute ma chérie, hein, comme on est amis, c'est normal, je vais te faire présenter le président de la République. Oh, d'accord, on a pris le café, le thé, le chocolat, c'était super, des lustres en cristal, des dorures partout, j'ai jamais vu ça. J'étais avec Ségolène et François Hollande. Et François Hollande m'a dit, si vous voulez visiter ma chambre à coucher. Ben oui, monsieur le président, mais moi, j'ai pas pensé mal, moi, je suis une brave femme. Mais oui, monsieur Hollande a baissé sa culotte. Oui, il m'a baisé. Il m'a bien baisé, monsieur Hollande. Et là aussi, deuxième sextape. Je sais pas comment ça se fait. Il y a des caméras partout à l'Elysée et tout. On a volé la sextape de François Hollande et moi-même. Alors vous rendez compte, maintenant, je suis bien dans la merde. Alors vous rendez compte comment je vais faire? Alors je me réclame. Je réclame au cambrioleur de me rendre ma sextape numéro 1 de Benzema et ma sextape de François Hollande. Bien sûr que je suis une cochonne, mais quand même, c'est des choses privées, ça. Faut pas exagérer. Je peux pas payer la caution ou l'enlèvement de ma sextape, c'est pas possible, je n'ai pas les moyens. Hein. J'ai à peine 600 euros pour vivre. Hein. J'ai même demandé à François Hollande si c'était possible, s'il pouvait m'embaucher comme femme de ménage à l'Élysée, parce que ça me rendrait bien service, parce que les fins de mois, ils sont un peu, vraiment, c'est trop, c'est injuste. J'arrive même pas à me payer une paire de bas, une paire de chaussures, et puis une petite veste pour l'hiver, hein, et puis pour préparer ma soupe, ben, vous avez pas vu combien coûtent les poireaux, c'est cher maintenant, les patates, etc. Ah oui, vous me trouvez encore belle pour 92 ans, hein, c'est vrai, 92 ans, oui, vous pouvez fêter mon anniversaire, je vous en supplie, monsieur les voleurs, rendrez-moi ma sextape de Benzema et de François Hollande, je vous en supplie, je suis une pauvre malheureuse, je vis maintenant dans une maison de retraite, mais c'est pas facile avec tous ces veillards, hein, tous ces veillards, je sais pas qui a volé la sextape, je peux pas savoir qui avait volé ma sextape, je veux récupérer ma sextape, s'il vous plaît, rendez-moi ma sextape. S'il vous plaît, rendez-moi ma sextape, messieurs les cambrioleurs. S'il vous plaît, messieurs les voleurs. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je veux pas que Robert, mon mari, sache que j'ai couché avec Benzema et avec François Hollande.